Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour un petit tour de cartes, vous allez voir qui est vraiment très bien. Donc c'est un petit tour que j'ai découvert comme d'habitude dans un livre en anglais, qui est vraiment extra pour moi, puisque nous allons pouvoir retrouver une carte après que le spectateur ait mélangé trois fois. Donc ça paraît vraiment dingue qu'on puisse mélanger et retrouver la carte. Donc je vais vous faire la démo quand même. Au moment de la sélection de la carte, je me retournerai, je regarderai pas la carte, je ne tricherai pas et j'essaie de retrouver la carte. En direct en même temps que vous visionnez la vidéo. Ok, donc je prends un jeu de cartes, donc il est rouge, hein, peu importe, et vous demandez au spectateur, alors soit vous faites face au spectateur, soit vous pouvez vous retourner du début à la fin, si vous savez, si vous avez affaire à quelqu'un qui sait très bien mélanger en riffle shuffle ou en faro, vous pouvez vous tourner sans problème, sinon vous pouvez rester face au spectateur, ça ne posera pas de problème. Et vous lui dites de couper le jeu, de compléter plusieurs fois les cartes, d'accord? Et au bout d'un moment, vous lui demandez de couper et il va mélanger les jeux. Donc les deux paquets. Donc soit il mélange en riffle shuffle comme ceci. D'accord. Donc là, les cartes sont mélangées. Il coupe une nouvelle fois. Il recoupe encore. Et là, on va refaire un autre mélange. Donc si le spectateur ne sait pas mélanger, vous pouvez les tourner en rosace comme ceci et lui dire d'imbriquer les cartes les unes dans les autres. Peu importe. Ok, il recoupe encore le nombre de fois qu'il veut. Et là, vous pouvez vous retourner à présent et lui dire, voilà, vous coupez le nombre de fois. Et quand vous serez satisfait, vous arrêtez. Et vous allez regarder soit la carte qui est au-dessus là, ou au-dessus ici. Vous allez la mémoriser. Et vous allez la mettre dans le paquet où vous voulez. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, moi, je vais me retourner et je vais vous montrer la carte. Mais je ne vais pas la voir. D'accord? Donc vous ne savez pas quand ce spectateur va finir de couper. Ni quelle carte il va choisir. Donc là, je me retourne, je vous montre la carte, ok, je la regarde pas, et je la remets dans le jeu ici où on veut. Spectateur complète, d'accord, il peut couper le nombre de fois qu'il veut, et on va lui demander encore de faire un mélange une dernière fois. Et ça, c'est fort dans ce tour, c'est qu'on puisse. Attends, je vais faire un petit faro, tiens. Ce qui est fort dans ce tour, c'est que le jeu est mélangé vraiment plusieurs fois, quoi. D'accord? Voilà. À partir de ce moment-là, je peux me mettre face au spectateur. Il peut encore couper. On fait un ruban. Voilà. On fait un beau ruban. Et là, je vais pouvoir deviner la carte du spectateur. Donc, ça peut prendre plus ou moins de temps. Tout dépend sur si vous avez un peu de chance ou pas. Je vous expliquerai après. Vous pouvez très bien la trouver assez rapidement ou en 30 secondes ou en 2 minutes. D'accord? Ça peut être un peu long. Si c'est un peu long, vous dites au spectateur, bah, c'est très dur de la trouver puisque vous avez mélangé trois fois. Donc là, vous avez vu, c'est clean. On a le dos tourné, le spectateur mélange trois fois, la sélection est vraiment due au hasard, le jeu est mélangé, on n'a aucune indication, d'accord? Et on va pouvoir retrouver la carte. Donc je vais essayer de retrouver la carte en direct avec vous, comme ça. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper. Donc je regarderai dans la vidéo après si je ne me suis pas trompé ou pas. Donc j'essaie d'aller assez rapidement. Donc déjà, je peux dire que c'est pas du cœur, d'accord? Ensuite, je dirais que ce n'est pas du trèfle. Oui, je dirais que ce n'est pas du trèfle ni du cœur, donc il me reste le carreau et le pique. Alors est-ce que la carte manquante serait un carreau? Ah, non, je pense pas. Non. Donc il reste plus que le trèfle. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Il me manque quoi? Le pique, je crois bien. Et vous voyez, les cartes ont vraiment bien mélangé. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Ah oui, je pense avoir trouvé. Ok. Donc là, je suis sûr de moi. Donc, vous avez vu, là, ça prend aller 1 minute 30. Bon, ça passe. Hein. Mais vous pouvez la trouver vraiment plus facilement. Il n'y a pas de souci. Tout dépend sur quelle couleur vous allez
regarder. Voilà, alors j'espère que c'est celle-là, je regarderai sur ma vidéo, mais je pense que je me suis pas trompé. Je pense que vous avez que la carte sélectionnée par le spectateur était la dame de pique. Je sais pas si c'est ça, j'espère que oui. Donc si c'est ça, vous avez vu, c'est vraiment un petit bijou ce tour, puisque nous n'avons aucune indication et surtout les jeux sont mélangés. Donc j'avais rarement vu un tour de magie où on mélangeait avant et surtout après la sélection du spectateur. D'accord? Donc j'espère que c'est ça. Alors on va passer aux explications. Je regardais sur la vidéo si je me suis pas trompé. Et si ça vous intéresse, bah, je vais vous expliquer comment marche ce petit bijou. Voilà, à tout de suite. Donc, pour réaliser ce superbe tour, vous avez besoin de faire une préparation avant. Sinon, ça aurait été trop beau. Ok? Donc très simple, vous allez classer par couleur du roi à l'as. Du roi à l'as pour toutes les couleurs. D'accord? Vous commencez par le roi sur le dessus et vous finissez par l'as en dessous. Et vous mettez rouge, noir. Peu importe. Mais il faut mettre rouge, noir, peu importe si vous mettez carreau là ou cœur, peu importe. Pourquoi? Parce qu'à la fin, quand on va faire le ruban, on verra que toutes les couleurs sont bien éparpillées. D'accord? Donc ça, c'est le setup que vous avez à faire. Donc tout simple. Vous commencez, comme d'habitude, je n'arrête pas de vous le dire, commencez toujours à sortir vos cartes de l'étui, d'accord? Plutôt que d'arriver avec vos cartes comme ceci. C'est psychologique, ça paraîtra tout à fait normal de sortir des cartes d'un jeu. C'est tout con, mais voilà. Dans la tête des spectateurs, ça paraîtra vraiment normal. Vous dites, voilà, je vais vous faire un petit tour très sympa, vous allez voir. Donc on a un de rouge, et vous ne montrez pas les faces. Mais de toute façon, ce n'est pas grave, puisque on va mélanger. Et plusieurs fois, trois fois, et à la fin, on va voir que toutes les cartes sont bien mélangées, donc ça passe très bien. Et vous dites, alors, si vous faites un magicien qui sait très bien mélanger en faro, en riffle, vous pouvez vous tourner le dos dès à présent, d'accord? Si vous avez affaire à quelqu'un qui ne sait pas très bien mélanger, faites-lui face, ça ne changera rien au tour, de toute façon, puisqu'à un moment donné, on se retournera à la sélection de la carte, d'accord? Donc imaginons j'ai affaire à quelqu'un qui ne sait pas très bien mélanger. Je lui dis vas-y, coupe le jeu plusieurs fois. Donc il coupe le jeu plusieurs fois. Il coupe le jeu et je lui dis de mélanger. Donc soit il fait un riffle shuffle, soit un faro, ou soit une rosace, d'accord? Donc là il ne sait pas mélanger, je lui dis voilà on va tourner les cartes comme ça, imbriquons les cartes ensemble comme ça. Donc il va imbriquer toutes les cartes. Donc là on vient de faire un mélange, on égalise. On lui demande à nouveau de couper pour bien mélanger toutes les cartes. Et on va lui demander de refaire un autre mélange après avoir coupé. Donc on tourne bien les cartes et on imbrique les cartes les unes dans les autres. Et là, vous pouvez dire, voilà, les cartes ont bien été mélangées, parce que vous avez mélangé deux fois. À présent, je vais me retourner. Et là, vous vous retournez. Et vous dites, continuez à couper le nombre de fois que vous voulez. Et quand vous en aurez assez, vous laisserez les deux paquets côte à côte, ici. Et vous lui dites de prendre soit la première ici, soit la première ici, de la mémoriser, de la remettre dans le même paquet où il veut. D'accord? Donc imaginons, il choisit le valet de carreau, il la remet dans le même paquet où il veut, peu importe. Et là, il complète comme il veut, n'importe quel sens, peu importe. On lui demande de couper une nouvelle fois. Et quand il en aura assez, de couper, de mélanger encore une fois. Et là, c'est fort. Pourquoi? Parce qu'on mélange encore une fois, alors que la carte a été sélectionnée. Donc ça c'est assez rare dans les tours de cartes je trouve. Parce que là ça paraît vraiment impossible de trouver la carte. Il peut vous couper encore une fois, peu importe. Et là on fait le ruban. Voilà. Et vous allez me dire comment fait-on pour retrouver la carte? Donc j'espère que vous voyez bien les cartes. Et bien comme on a rangé les cartes, le secret c'est ça. Comme on a rangé les cartes du roi à l'as au départ, on a fait trois mélanges. Et bien malgré ces trois mélanges, l'ordre des cartes sera toujours la même, c'est-à-dire la chaîne, l'ordre des numéros se suivront toujours. D'accord? Même s'il y a des cartes entre ces nombres-là de la même couleur, ce qui est important de voir, c'est si après le là, il y a le 2, si après le 2, il y a le 3, etc., etc. Et comme je vous disais, on a mélangé trois fois, l'ordre des cartes ne bougera pas. D'accord? Donc vous voyez là, quand on met le ruban, ça paraît vraiment être un jeu basique, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a rien du tout puisque ça a été mélangé. Et donc là j'ai choisi valet de carreau. Donc on va faire le test avec le valet de carreau puisque je vous l'ai montré. Donc je vous ai dit que ça pouvait, vous pouvez trouver la carte très vite ou moins vite. Tout dépend par quelle couleur vous allez commencer. Ça c'est le hasard, vous ne pouvez pas savoir.
Donc commencez par une couleur, par exemple le cœur. On va faire le carreau. Et vous allez regarder, alors si le spectateur a choisi un carreau, vous allez la trouver en même pas 30 secondes, d'accord? Si vous faites pique, cœur, trèfle, et que vous finissez par le carreau, bah forcément, vous avez fait les trois couleurs avant, vous n'avez pas trouvé, ça va durer un certain temps. Je pense que en maximum 1 minute 30, 2 minutes, vous pouvez trouver la carte. Mais vous pouvez quand même dire, comme je vous ai dit, c'est dur à retrouver, vu qu'on a mélangé trois fois, ça paraît vraiment impossible, d'accord? Vous jouez sur ça. Et donc là, le spectateur a choisi le valet de carreau, et je vais commencer par le carreau, c'est le hasard. Donc là, je vais mettre très peu de temps à le trouver. Et regardez comment on fait. Vous commencez par l'as de carreau, toujours par l'as, d'accord? Et vous regardez s'il y a le 2 après l'as. Donc là, on voit qu'il y a le 2, c'est bon. Ensuite, vous revenez ici, de ce côté-là. Et vous regardez s'il y a le 3 qui suit. Oui, il y a le 3. Vous regardez s'il y a le 4. Il y a le 4. Et vous voyez là, entre le 3 et le 4, j'ai un 9 de carreau et un 10 de carreau. Peu importe, ça, on s'en occupe pas. Bon, il faut pas s'en occuper. Ce qui est important de voir, de savoir si c'est, il y a bien le 4 après le 3 qui suit, tout simplement. Ne vous occupez pas des autres carreaux. Peu importe. C'est pas important du tout. Donc, il y a le 4. Je veux voir s'il y a le 5 après. Le 5, il est là. Oui. Le 6, il est là. Le 7, il est là. Le 8, il est là. Vous revenez. Vous allez chercher le 9, il est là. Le 10, il est là, et vous allez chercher le valet, et là, vous voyez que il y a la dame. D'accord? Et donc, entre le 10 et la dame de carreau, il n'y a pas le valet. Je disais, vous regardez le 10 de carreau, après vous allez chercher le valet de carreau, et vous voyez entre-temps la dame. Et vous voyez qu'entre le 10 et la dame de carreau, il n'y a pas le valet de carreau. Donc, comme je vous disais, comme l'ordre, la chaîne se suit, vu qu'on a pris le valet de carreau, qu'on l'a remis dans la même pile, mais autre part, c'est la seule carte qui ne se suit pas finalement, sur toutes les couleurs, d'accord? J'ai scanné toutes les autres couleurs, on peut scanner toutes les autres couleurs, tout se suivra. Par exemple, imaginons, je regarde le trèfle ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame et roi. Vous voyez, là ça se suit. Il n'y avait que le carreau, où j'ai vu qu'entre le 10 et la dame, il n'y avait pas le valet. Et donc forcément, ça sera le valet. Après, à vous de faire la révélation que vous voulez. Donc vous avez vu, la méthode est vraiment super cool. Moi, j'adore ce tour. C'est vraiment très fort, quoi. Je pense que vous pouvez fouler des magiciens aussi. Je crois pas que c'est un tour très connu. Dites-moi si vous connaissez cette méthode. Moi, je ne connaissais pas du tout. Moi, ce qui m'impressionne, c'est les mélanges, quoi, quand même. Voilà. Et le fait de mettre les cartes comme ça, il n'y a rien de suspect, quoi. D'accord? On voit rien, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se refait un petit exemple vite fait. Donc vous faites couper. Alors, vous inquiétez pas si le spectateur ne voit pas les faces. Vu qu'on va mélanger plusieurs fois, il va mélanger plusieurs fois et couper, il va totalement oublier qu'il n'a pas vu les faces. Ou alors, il va se dire, bon, bah ok, j'ai mélangé, là, il peut rien savoir, ok. Donc vous inquiétez pas pour ça. C'est pour ça que je vous dis de sortir de l'étui ici, d'accord? Donc voilà, il coupe, on va faire un faro. Donc imaginons, j'ai affaire à un magicien qui va faire des faros. Ok. Donc là, il coupe, il refait un faro. Donc là, il se dit, ah, quand même, deux faros, deux mélanges, ça fait beaucoup. Pas mal. Ok. Là, on coupe. On sélectionne une carte, n'importe laquelle, 10 de cœur. On la remet où on veut. On coupe à nouveau et on fait un petit dernier mélange. Donc peu importe où vous le faites, le faro doit pas être parfait. Hein. Hop. On coupe une dernière fois, on fait un ruban. Et donc c'était le 10 de cœur. Donc on va commencer par le cœur. Donc vous commencez par l'as. 1, l'as, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 9, et vous voyez, entre le 9, j'espère que vous voyez bien, attendez, je vais vous le mettre par là. Entre le, je suis à 9, et je vais chercher le 10, et qu'est-ce que je vois? Le valet. Je me dis, tiens, entre le 9 et le valet, il n'y a pas le 10. Donc il doit être après, normalement. Il doit être ici, voilà. Et je sais que la carte sélectionnée, ça sera le 10 de cœur, puisqu'il n'est pas entre le 9 et le valet, tout simplement.
Et je vous promets que ça va impressionner les spectateurs ce tour si vous le faites, parce que ils se disent mais comment ça se fait qu'il a trouvé, j'ai mélangé, tout ça, je comprends pas. Donc voilà, ça paraît incompréhensible, en plus il n'y a pas de montage, rien de suspect comme je vous ai dit quand on voit les cartes. Donc les gens vont se creuser la tête à mon avis. Voilà, j'espère que ce petit tour très sympathique vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, à très vite.